Coucou tout le monde, je viens vous faire profiter des achats que j'ai faits ces quelques jours. Voilà, donc eh bien on va en parler, je vais vous les montrer. Voilà, donc on va commencer par Noz. Oui, vous me direz, qui ne va pas chez Noz d'ailleurs, hein, à part ceux qui ne l'ont pas. Donc on va commencer par un super achat. Alors là vraiment vous allez être folle de jalousie par rapport à cet achat. Qui est très utile d'ailleurs. Voilà, je vous le montre. Hein. Et voilà, offre spéciale. Oui, oui, c'est de la ficelle alimentaire. Alors, c'est pas du tout pour entourer, pour attacher des rôtis. Hein. Ils sont, voilà, quand un rôti, il peut s'en aller. Hein. Ouais, bon. Non, c'est tout simplement pour attacher mon parasol. Quand il y a du vent, eh ben, il vaut mieux l'attacher. L'enrouler avec de la ficelle pour ne pas qu'il s'ouvre et qu'il s'envole. Voilà, donc j'ai acheté ça, ma ficelle, 75 centimes. Voilà, ça c'est utile, hein, vous me direz. Ensuite, j'ai acheté un shampoing, alors là j'en ai pour, pour des années, j'en sais rien, mais on verra. C'est celui-ci, voilà, c'est un shampoing fashion, voilà, shampoing, alors je vais vous le lire, hein, parce que voilà, je vous le montre. Il fait quand même 900 ml, voilà, fashion professionnel, ok, c'est un shampoing volume, vitamine et pro B5, hein, voilà, c'est pour donner du volume aux cheveux, ok, bon, alors maintenant les ingrédients, je ne vais pas vous les dire, parce que quelque part j'en ai rien à faire, voilà, donc j'ai acheté ce shampoing, en plus c'est super, parce qu'il y a une pompe. Ce qui est rare d'ailleurs pour les shampoings. Bon, on a vu ça. Donc ensuite, j'ai acheté, bon, vous ne les verrez pas sur moi, mais je prévois de faire une vidéo, enfin ce sera la surprise. J'ai acheté des petites ballerines. Voilà, je les trouve super mignonnes. Donc attendez, on va y arriver. Voilà, elles se présentent comme ça. Bordeaux, je ne mets jamais de bordeaux. Hein. Bon, mais je mettrai ça avec du noir. Je peux mettre ça avec du beige. Je les trouve super mignonnes, hein, avec cette petite boucle dorée sur le dessus. Moi, je les trouve hyper raffinées, franchement. Il n'y a pas de marque, hein, on s'en fiche. Et j'ai payé ça, elles étaient au départ, hein, à 14,99€, mais je ne les ai pas payées 14,99€. Il va falloir que je trouve le prix. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je les ai payées. Je les ai payées. Oh là là. Elles me sont revenues à... Non, mais c'est incroyable, quoi. 14,99€. Elles me sont revenues à 8 euros. 8 euros, hein, on va dire ça, hein, ok? Voilà. Elles me sont revenues à 8 euros. Voilà. Donc je les remontre. Ils sont pénibles, hein. Voilà. Donc elles sont comme ça. Bon, 8 euros, c'est pas cher. 8 ou 9 euros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Moi, je les trouve super mignons. Je les ai essayées, elles font un beau pied. Bon, je ne vais pas vous les montrer sur mes pieds. Ensuite, ah! Alors, effectivement, j'ai racheté une fleur pour me laver. Voilà. Je vous l'avais montré la dernière fois, dans une autre couleur. Seulement, je l'ai posé sur un fauteuil et mon chien, pensant que c'était à lui, me l'a piqué, me l'a dévoré pour prendre le jouet qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, j'en ai racheté une autre, hein, parce que du coup, je lui ai donné le jouet et j'ai, voilà, on va défaire. En fait, voilà, la revoilà, hein, voilà, là, c'est une grenouille. Voilà, elle est géniale, voilà. Donc, cette fois, vous vous doutez bien que je vais la planquer, parce qu'il est capable de la bouffer à nouveau. Hein. Alors, je ne vais pas passer ma vie à acheter, surtout que j'achète des jouets. Hein. Voilà. Donc ça, fleur, j'ai payé ça 1 euro. Voilà, pas cher. Ensuite, j'ai acheté à nouveau, j'avais pris l'huile de carotte, je crois, la dernière fois. Jardin d'Orléans, ce sont des huiles cosmétiques. Alors, l'huile de germe de blé, c'est pour la peau, hein. Voilà, ça, c'est... qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Voilà, en fait, elle apaise, nourrissante pour les peaux sèches et déshydratée. Voilà, ok? Elle aide à protéger la peau, voilà, ok? Donc, voilà, c'est de l'huile de germe de blé, 1,60€. J'ai acheté une deuxième, comme ça. J'y arriverai. Je ne sais pas si vous voyez... Voilà, bon, c'est pareil, hein. C'est Jardin d'Orléans, et c'est l'huile de karité cette fois, à 1,60€, et elle sert à
Voilà, ces deux lits de karité, très riches en vitamines A et E, s'utilisent pour la peau comme les cheveux, bon, ce sont pas pour les cheveux, et elles cicatrisent et adoucissent la peau. Or, s'il y a des cicatrices, il n'y en a plus. Voilà, les cicatrices, grâce à ça, il n'y en a plus, elles disparaissent. J'en ai pas, mais bon, si un jour j'en ai, j'en mettrai. Ensuite, j'ai acheté, d'ailleurs, voilà, bon, enfin, alors là, je ne devrais pas dire le prix, mais ça fait rien, elle le sait. J'ai acheté un super bracelet hyper sympa que je vais me mettre au poignet. Voilà, j'ai acheté le même à ma minette. C'est celui-ci qui est super joli. Voilà, il a des petites perles, il a un côté brillant. C'est une petite manchette. Et j'ai payé ça 99 centimes. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Ensuite, j'ai acheté une autre manchette que j'ai payé 99 centimes aussi. Je vais vous la mettre au poignet pour que vous puissiez la voir. Voilà, elle donne ça. Moi, je la trouve sympa. Voilà, vous voyez, bon, ben voilà. Donc, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, elle a des petites fleurs, elle est jolie. Voilà. Donc, ça, c'est fait. 99 centimes aussi. On débarrasse. Ensuite, on va rester dans les bijoux. Bon, 99 centimes des anneaux. Alors, vous ne les verrez pas sur moi, hein, parce que, bon, ben là, j'ai des boucles d'oreilles. D'ailleurs, qui doivent venir de chez moi aussi. Je vais vous les montrer comme ça. C'est assez gros, parce que j'adore les grosses boucles. Donc je vous les montre si j'arrive à les défaire. Bah oui, sans mêler. Ma foi, comme ça. Hein. Voilà, bon, voilà. Donc ils sont comme ça. Voilà. Moi j'adore les gros anneaux. Voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez pas? Si je mets la main devant, ouais, tant qu'à faire. Enfin voilà. Hein, vous voyez? Hop, hop. Et vous verrez rien. Ah bah quoi que si, je peux les laisser comme ça. Bien. Bon, enfin bref. Donc voilà, des anneaux à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris une autre paire de boucles d'oreilles. Ben, c'est la folie, ouais, je sais. C'est mon trip. Et puis alors, vu le prix, je me dis, je ne vais pas m'en priver non plus. Hein. Donc, des autres boucles d'oreilles, pareil, 99 centimes. Et elles se présentent comme ça. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, ça fait un peu bouclier. Alors là, on ne voit rien. On ne voit pas. Voilà, voyez, là, vous les voyez là? On voit pas. On les voit pas. Voilà, vous voyez, elles ont des espèces de dessins un petit peu mat et brillant. Voilà, enfin bon, 99 centimes aussi. Ok? Voilà. Ensuite, ah, j'ai acheté un drap housse, oui. J'ai acheté un drap housse en jersey. Je ne mets que des draps housse en jersey. Donc, il fait, mon lit, c'est un 140. J'achète toujours, alors, je ne sais pas vous, j'achète toujours des draps housse en 160. Parce que alors, les 140... Ben, ça couvre pas le matelas et je ne supporte pas. Alors là, ils sont plus grands, mais au moins ils enveloppent bien comme il faut. On peut, sous peu qu'ils rétrécissent un peu, voilà. Ils sont en 100% coton jersey, donc j'ai pris cette couleur qui est naturelle, hein, c'est un beige clair, comme vous voulez. Et alors là, où il est, je l'ai payé, je le trouvais. Voilà, je l'ai payé 5,99 €. Bon. Je pense qu'au niveau prix, ça se vaut, hein, entre les grandes surfaces, enfin les hyper, je pense que ça... Bon, enfin, bon, 5,99 €, voilà. Ensuite, je vous le montre, hein. Ah bah oui. Je ne porte jamais de string. Non, je n'en porte pas, parce que j'en ai porté jeune, on est mal, bon, voilà, bon. Par contre, il faut savoir que j'ai une terrasse chez moi. Et je vais me faire bronzer sur ma terrasse. Je ne supporte pas les marques de maillot. Donc, effectivement, je me fais bronzer les seins, voilà, les seins nus. Et ben, j'ai un maillot de bain, une pièce. Malheureusement, le problème, je le roule. Mais alors, ça fait des marques énormes quand même. Donc, j'ai trouvé, pour aller sur ma terrasse, parce que personne ne me verra, un string. Enfin, si on me voit un peu, donc je suis obligée de mettre une culotte. Hein. Donc, j'ai trouvé un string. Voilà. Que je mettrai que pour me faire bronzer. Et effectivement, là, ben c'est génial, parce que mes fesses aussi seront bronzées. Et vu les ficelles sur le côté, ben, croyez-moi que les marques ne se verront pas. Voilà, bon. Donc j'ai acheté ce petit string pour aller sur ma terrasse. Oui, je fais ce que je veux. Voilà. Et je l'ai payé. Ah, ben, il n'y a plus le prix dessus. Hein. Alors, je sais pas, vous voulez que je vous le dise. Le string, si je le trouve, hein, voilà. Alors, comment j'ai payé ce machin, string? Ah bah si, 90, c'est marrant, c'est tout à 99 centimes chez Noz. Bon, enfin bon, 99, oui, elle me gêne. Elle me gêne, ma frange. Donc, 99 centimes le string. Ensuite, alors ça c'est alimentaire, hein, j'ai acheté des soupes Knorr.
C'est comme les rois-pots, hein, en fin de compte. Voilà. Ça se fait, vous mettez de l'eau chaude dessus, mettez ça dans un bol, de l'eau chaude dessus, et hop, envoyez, c'est pesé. Pourquoi j'ai acheté ça? Simplement, c'est ma ninette qui m'en a donné l'idée pour une collation l'après-midi. Voilà. Au lieu de boire toujours de la chicorée, 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 eh bien, je me ferai une petite collation avec ça. Donc, ça, c'est des soupes sans colorant, hein, sans colorant. Bon, donc, c'est bien. Voilà, sans colorant, ni exhausteur de goût, conservateur, machin. Donc, allez, c'est quand même nickel, c'est bio, c'est tout ce qu'on veut. Donc, j'ai pris 8 légumes, champignons, poireaux et tomates. À la provençale, j'adore. Donc, j'ai payé le petit paquet, donc ça fait l'équivalent, ben, ça fait une soupe, un potage, voilà. 65 centimes le sachet. Je vous le remonte, Knorr en plus, c'est quand même une marque. Je m'en fous des marques, hein. Mais bon, pour dire, c'est pas cher. Voilà, donc ça, hop, ce sera pour mes collations de l'après-midi. Il n'y a qu'à faire comme ça, tout est tombé. Ensuite, j'ai acheté. Alors, c'est vrai qu'avant, je me faisais que des plats tout prêts. Depuis quelques temps, je ne le fais plus. Je me fais des légumes, je mange sainement. D'ailleurs, je ne parle plus de mon régime parce que je stagne. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas refait de vidéo. Parce que je ne suis pas non plus à la course. Je ne fais pas une course au kilo. Hein. J'ai perdu 2 kilos. Ben, ça se maintient, le tout c'est de ne pas les reprendre, et là, voilà, ben, je peux très bien, dans 3 mois, reperdre 2 kilos. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de parler de mon régime, enfin de mon hygiène alimentaire, parce que je sais qu'il va falloir du temps et que je ne suis pas pressée non plus. Donc, par contre, j'ai trouvé ben, ces plats tout prêts, et comme j'aime bien, ben, j'ai dit je vais les acheter. En fait, c'est poulet massaman au curry. J'adore le curry. Donc, c'est ça. Ça se présente comme ça. Voilà. Le riz. J'adore le riz. Et j'adore le poulet au curry. Donc, j'ai goûté 99. Non, mais c'est tout à 99 centimes, quoi. Non, mais 99 centimes. Je ne raconte pas d'histoire. Hein. Donc, j'en ai pris deux, en fin de compte. J'en ai pris deux. L'autre, c'est poulet red curry. Hein, OK? Donc, c'est curry rouge. Voilà. Tout simplement. C'est le même. 99 centimes. Ah, j'ai oublié aussi une petite paire de boucles d'oreilles. Alors là, je pense que je l'ai plutôt acheté pour une de mes petites filles parce que l'autre, ben, j'en ai une qui est très sport, très chevaux, etc. Donc elle n'est pas bijou, ok? Et par contre, la plus petite, elle est comme ça, mamie. Voilà. Donc j'ai pris ces petites boucles d'oreilles que je trouve vachement mignonnes et comme je vais aller chez ma fille, je vais lui offrir parce que je trouve ça adorable. Voilà, ces petits cubes, je trouve ça vraiment sympa. Et à mon avis, elle va adorer. Donc, je l'ai laissé de côté parce que ça, en fin de compte, c'est pour elle. Voilà, donc, noz, on a vu. Noz, on a vu. Maintenant, on va passer à d'autres achats que j'ai faits ailleurs. Voilà, donc, bah, c'est parti. Alors là aussi, je vous montre un rouge à lèvres. Parce que je l'ai acheté la semaine dernière. J'ai pas dû faire de vidéo parce que j'avais pas beaucoup d'achats. Puis bon, je vais pas faire des vidéos à chaque fois que j'achète un truc, quoi. Ça, c'est le rouge baiser que j'ai acheté à Monoprix. Parce que moi, en fait, voilà, vous l'avez là, je l'ai là. Hein. C'est rouge baiser qui tient super bien. Déjà, et d'abord, c'est très ancien comme marque. Hein. Très, très ancien. Donc, j'ai plus l'emballage. Hein, voilà. Donc, je vous le montre. Hein, il est comme ça. Hein. Le tube est super joli. Voilà. C'est le numéro 401 et il s'appelle Capucine. Donc c'est Paris, hein, voilà. Et en fait, ils sont faits en Italie. Donc c'est. Et là, je peux vous dire, je l'ai là, il tient vachement bien. Moi, j'adore sa couleur. C'est un ton orangé. Là maintenant, avant déjà, c'était le seul dans le temps parce que ça n'existait pas les longues tenues hein, dans les années 70. Donc c'est le seul qu'on trouvait à l'époque. Et là maintenant ils le font encore plus longue tenue. Donc voilà. Donc je voulais quand même vous le montrer, même si je l'ai acheté il y a peut-être 15 jours. Voilà, je voulais quand même vous montrer. Il est top. Hein. J'ai dû le payer. Oh. J'ai dû le payer 14 euros. Je ne me rappelle pas. Peut-être. Je ne sais plus. 14 euros. Alors ensuite, par contre, là, j'ai fait des achats chez Réserve Naturelle. Ouais, ben, il y a des trucs vachement sympas. Hein. Et je suis en train de me demander, parce que là, bien évidemment, c'est quand même un truc d'ouf. Hein, ouais. Ça a le don, mais ça a le don de m'agacer quand même. J'avais le ticket, je l'ai mis là. Oh là là, mais c'est affreux ça. Bon, alors, on y va. J'ai acheté, sur les conseils d'un super ami que j'adore, hein, j'ai acheté une eau de toilette, patchouli. À savoir, donc c'est, je l'ai dit peut-être, hein, réserve naturelle.
Bon, on en a un à Vichy, c'est super. À savoir que je ne mets que du patchouli de réminiscence, ok? Qui tient, alors là, il tient, enfin bon, il y a des autres toiles qui doivent tenir, enfin moi je mets que celui-là. Il tient, c'est impressionnant quoi. Si vous ne laviez pas de 15 jours, au bout de 15 jours, vous sentiriez encore le patchouli. Donc, sur les conseils de mon ami, j'ai essayé d'acheter le patchouli. Parce que, en fin de compte, sur des forums, ils disent qu'il a l'odeur, parce qu'il y a des tas de patchouli, il a l'odeur du réminiscence. Donc, j'ai demandé à la vendeuse je vais y arriver, de réserve naturelle. On a essayé, elle m'a dit effectivement, les clientes qui ont patchouli de réminiscence me disent qu'il a le même parfum. Voilà, donc je l'ai acheté, hein, voilà, comme ça, patchouli, ok? Voilà, donc c'est ça, c'est Adopt Eau de Parfum Boisé, c'est Adopt Patchouli et c'est d'autres parfums. Alors là, je peux tout de suite vous dire ce que j'en pense. Effectivement, au point de vue senteur, ça se rapproche énormément du patchouli de réminiscence. Il y a quand même une petite différence, mais c'est vraiment par rapport à des patchouli que j'ai pu sentir, enfin à mon goût, hein, que j'aime pas du tout. Là, au niveau de la senteur, il se rapproche vraiment. Maintenant, j'ai fait un test. J'ai testé sur un bras, celui-là, et sur l'autre bras, mon réminiscence. Celui-là tient bien. Franchement, quelqu'un qui n'a pas envie de mettre hyper cher dans le patchouli de réminiscence, parce que bon, les autres toilettes ne sont pas données, elles peuvent acheter ça. Ça tient bien. Par contre, si on le compare au patchouli de réminiscence, il n'y a pas photo. Le lendemain matin, moi j'avais mis ça le soir. Le lendemain matin, le bras sur lequel j'avais mis le patchouli réminiscence sentait comme si je venais de le mettre. L'autre, sur lequel j'avais mis celui-là, ne sentait plus. Donc, vous donnez la durée, ben, j'ai passé la nuit, mais le patchouli de réminiscence tenait, celui-là n'avait plus d'odeur. Je pense qu'il tient bien, certainement. Alors maintenant, perso, quand je vais racheter du patchouli, il m'en reste, j'achèterai toujours le patchouli de réminiscence. Celui-là, je vais le mettre dans mon sac. Là, je vais l'utiliser, bien évidemment. Hein? Alors, effectivement, je vais vous donner le prix. Il coûte. Alors, il fait. Alors, attendez quand même que je vous donne un peu plus de détails. Si je le trouve. Il fait 30 millilitres. Alors, il y a des grands hein, qui sont plus chers. Ils doivent être à 10 euros et quelques. Lui, il fait 30 millilitres. Hein, donc, dans le sac, c'est bien. Il ne faut pas le casser. Je l'ai payé 5,95 €. Donc, c'est pas cher, sachant le prix du vrai patchouli de réminiscence. Bon, moi, c'est 100 millilitres, hein, mon flacon, hein, mon spray. Donc, ça, je le recommande pour celles qui ne prennent pas patchouli de réminiscence. Pour celles qui utilisent patchouli de réminiscence, continuez. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté, j'ouvre mon sac, ça fait bruit. Alors, j'ai acheté une bébé crème. C'est une bébé crème, toujours donc chez Réserve Naturelle. Hein, voilà. Ils sont pas chers, franchement. Excusez-moi, c'est tombé. Franchement, ils sont pas chers, hein, je trouve, chez Réserve Naturelle. Donc, cette bébé crème, elle hydrate, elle unifie, elle illumine le teint, elle masque les imperfections, elle apaise. Que dire de mieux, hein? Qu'exiger de plus? Voilà. Donc, sa couleur. En fait, vu mon teint, parce que je suis pas blanche, donc la vendeuse m'a conseillé, elle m'a fait prendre foncé dark. Alors c'est pas marron, hein, voilà, je l'ai essayé, c'est naturel, hein, ça me fait pas africaine d'un coup, ok? Voilà, donc moi vraiment je l'ai essayé, elle est géniale, hein, ça je la recommande, elle est absolument extra, bébé crème de Réserve Naturelle, tout type de peau sans parabènes. Ok, fabriqué en France. Ah, quand même. Ouais, ça arrive. Donc là, par contre, combien je l'ai payé? Bah oui, mais ils mettent pas de détails. Alors c'est bien. Hein. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, je vais regarder le reste parce que après, ça va être. Faut que je regarde. Parce que là, ils mettent maquillage. Ben, ils sont bien mignons avec leur maquillage. Hein. Mais alors, quel est le prix? Hein? Oh, enfin bon. Ma foi. J'ai acheté également alors ça, j'en voulais pas. Mais la nana m'a dit que c'était génial. Alors, en fin de compte, c'est un tatou My Lips. Voilà. Je suis à l'envers? Bah, bien sûr. Tatou My Lips.
En fait, c'est une encre, hein. C'est une encre pour les lèvres. Donc, réserve naturelle. C'est pas écrit en français. Bien, bah, écoutez, c'est fait en Italie, hein. De toute façon, tout ce qui est fait en Italie ou en France. Voilà, c'est une encre à lèvres. C'est une couleur intense, tenue extrême, sensation légère. OK? Donc, c'est un numéro 4, je vous le dis, Fuchsia Tattoo. Alors maintenant, les prix, moi je ne sais pas, ils m'ont pas mis le détail, maquillage, c'est que des... Ah, mais alors attendez, c'est des références. Je devrais le savoir quand même, puisque j'ai travaillé là-dedans. Alors voilà, l'encre, ben voilà, ben oui, non. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Si, avec les références, je dois pouvoir vous le dire. Alors, je reviens à ça, la BB crème 8,90. Voilà, donc c'est pas excessif, hein. Franchement, 8,90, quand même réserve naturelle, bien. Ensuite, je vais vous le montrer, lui, hein, comment il se présente, l'encre à lèvres, comment elle se présente. Je vais vous donner le prix. J'ai payé ça, franchement, il n'y a rien à dire, 5,90. Hein. Alors voilà, ça se présente comme ça. Si ça sort, oh, je vais tout tomber, voilà. Mais oui, je disparais. Me revoilà. Donc voilà, bah, tout le monde connaît, hein, c'est comme ça, et c'est une éponge. Hein. Voilà, bon, je vais quand même vous mettre. J'aime pas faire ça. J'aime pas m'en foutre plein les mains, mais bon, je vais quand même vous le montrer parce que c'est vous. Hein. J'ai horreur de ça. Hein. Ah, j'ai horreur, mais horreur, voilà. Voilà, c'est un fuchsia, moi j'adore. Hein. J'ai horreur de m'en mettre sur les mains. Hein. Ça, je ne supporte pas. Hein. Il faut que je me nettoie tout de suite. Hein. Ah ouais, bah, c'est affreux. Hein. Je peux pas, mais alors ça, voilà. Donc pour vous montrer, je viens de l'enlever. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça tatouage à la limite. Hein. Donc voilà, je remonte son tube. Hein. Tattoo My Lips. Ça c'est génial, je suis super contente. Ensuite, j'ai acheté sur les conseils de la fille, parce que j'ai des cernes et j'ai des anti-cernes, j'en ai des tas, et je lui disais que ça couvrait jamais mes cernes. Et elle m'a expliqué qu'en fin de compte, plus un anti-cerne est liquide et moins il couvre. Voilà. Et donc, elle m'a vendu un anti-cerne en crayon, comme ça, ok? Et donc là, c'est un crayon anti-cerne, réserve naturelle, voilà. Donc, elle m'a dit, effectivement, elle m'a donné plus clair que ma peau. Hein. Je n'ai pas là, hein, parce que je voulais vous le montrer. Donc, il se présente comme ça, ok, voilà. Hop, et il est très clair. Je ne veux pas le mettre sur la peau, hein. Non, de toute façon, il ne se verra pas. Donc, il est très clair et il est hyper couvrant. Et lui, je l'ai payé 3,90 €. Parfois, il n'y a rien à dire. 3,90 € mon anti-cerne. Oui, je cherche ce que j'ai acheté d'autre. Ben, donc, je regarde et je vais... voilà, anti-cerne. Non, mais je reviens sur Noz, hein, parce que j'avais mis un truc de côté, là, j'ai oublié de vous le montrer. En fait, j'ai acheté trois torchons. C'est des lots de 3 pour la cuisine, parce que ça j'adore. Hein, voilà. Ils sont comme ça. Il y a 3 couleurs différentes. Voilà, hein, je ne les ai pas défaits. Hein, de toute façon, c'est des torchons. Hein. Ok, voilà. Donc, torchons, 7 de 3 torchons. 100% coton. 3,50 € les 3. Et j'ai acheté ben, d'autres couleurs. Voilà, ils se présentent comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben, c'est les mêmes, hein, on dirait. Ouais, voilà, il y a des écritures, je trouve ça marrant. Voilà, donc j'en ai pris 6 à raison de 3,50 € le torchon. Bien! Donc, on a vu ça. Ah! Ensuite, j'ai acheté chez Pimkie. Donc, je les ai sur les doigts, je les ai aux doigts, donc je vais vous les montrer. J'ai acheté 2 bagues parce que je cherchais des bagues argent, j'en ai, mais j'avais pas ça. Donc, j'ai trouvé 2 bagues chez Pimkie. Alors, avant tout, il faut que je trouve. Dans mon bazar, si vous saviez le bazar que j'ai là-dessus, et je vais pas les. Bon, enfin bref, écoutez, ça m'énerve. Ah ben quand même! Ah, alors en voilà, voilà celle-là, que j'adore, mais je l'adore, elle est géniale. J'ai payé 5,95 €. Bon, d'ailleurs, j'en ai 2. Donc j'ai celle-là, 5,95 € et j'ai celle-là. Ça, j'adore, elle est géniale. On dirait un peu de enfin, on dirait un peu de la dentelle, finalement. Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas, mais là, ici, voilà, ici, ce sont des strass. Hein. Oui.
Ouais, voilà, elle a des strass, 5,95 € chez Pimki. Bon, chez Pimki, ils ont des bijoux vachement sympas. Moi, j'aime bien, voilà. Eh bien, écoutez, je crois cette fois avoir fait le tour de mes achats. Je regarde, oui, autour de moi, parce que je suis envahie. Vous voyez rien, vous. Mais alors, moi, je peux vous dire que là, il y en a partout. Donc, j'ai fait le tour de mes achats avec vous. Je pense tout vous avoir donné, les prix, les explications, etc. Et ben, je suis super contente, en fin de compte, ben de tout ça. Voilà, des achats utiles, d'autres ben, pour manger, des shampoings, des machins. Enfin, tout ce dont une femme a besoin, mais même un mec d'ailleurs. Voilà, sur ce, eh bien, mes amis, je vous laisse. Ben, je vous dis à bientôt hein, pour d'autres vidéos. Je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Alors voilà un grand carré qui va servir à faire une tunique que je vous ferai voir quand elle sera finie. C'est ma Ninette qui va me la faire parce qu'elle est couturière. Donc voilà, je voulais vous montrer la première couleur. Je vais vous montrer les autres couleurs. Voilà la deuxième couleur. Donc c'est un kaki un peu délavé, avec des petites têtes de mort marron. Bon, je ne suis pas spécialement très tête de mort, mais là, c'est assez discret. Donc voilà le deuxième carré dans lequel ma Ninette va me faire une tunique, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ferai voir dès qu'elle sera finie. Vous la verrez portée sur moi pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Donc voilà la couleur, je vais vous montrer la troisième. Voilà le troisième motif. Donc c'est 100% viscose, donc c'est un fond noir, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, avec des petites roses rouges. Donc je trouve ça vraiment très 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 sympa. Et là, donc comme je vous le disais, je vous ferai voir les tuniques lorsqu'elles seront terminées. Ce sont de très très grands carrés, en fait à la base ce sont des châles, et nous on va en faire des super tuniques très grandes. Thank you.